Parce que le cinquième jour, ou bien c'était le samedi. Le samedi, je ne suis pas arrivé, je n'étais pas arrivé. Elle avait une même la peine, même pas. J'avais mon genou qui me faisait mal. Et clone non, il fait. Donc je me suis dit que il va falloir venir le soir. Yeah, mais vous l'avez autrement, même pas. Si bien que le soir, j'étais là. Et ouais, mais autrement, même pas. Tout juste. C'était fini quand j'étais là. Et non, et pas fini, à me faire. Toutes les activités du docteur étaient continuées à 16h avant que je ne sois là. Docteur, mais nous, on a qu'à temps, et pas les autres, car on a fini à me faire. Si j'étais là le samedi, j'allais dire que la séance du samedi portait sur toute mon histoire. Marc et Blabé. Même là, vous venez faire et non, n'y est-il pas dit. Mais je remercie le docteur pour nous avoir fait un résumé. Mais dès après, nous faisons là, elle avait un ouan, les poupons. J'étais un homme spirituel, sans le savoir. Mais n'y est pas bon, mais il n'y est pas de n'y est. Si bien que, sans vous mentir, n'y est pas plus mieux. Dieu me faisait. Ça produit bien avant. Mao Léon, Kounan, voilà, Dombo. Et j'étais vraiment un officiel parce que j'ai dirigé le poste de tapant. Mais qu'un officiel avait mes clous, tapant, mes clous. Et soldat à la salle de tapant. J'étais le directeur du poste de tapant. Et n'y est directeur de tapant. Bon, si bien que, sans vous mentir, Dieu me parlait, mais qui allait interpréter ma vision? N'est-ce pas, Blémy, prétends-le-nous pour nous, mais quelle a des gommes-nous? Et à ta parlé, mais à ta quoi même? J'allais être assassiné. Oh là, que vous m'avez. Dieu m'a dit, il m'a parlé. Ma pour nous. De ne pas rester dans la maison paternelle. Eh, Blémy, n'y a même pas, non, et toi, n'y a pas fait là, mais où? Quand je suis revenu avec mon véhicule de commandement, et c'est mes papa, appelez-vous. J'avais une vision, Dieu m'a dit de ne pas dormir dans la maison paternelle. Et j'ai obéi. Mais je n'ai pas pu le faire. Si bien que l'assassinat qu'ils ont préparé contre moi a été avorté. Mettez pas mes papa. On allait m'a tué à coup de bâton et de machette. Voilà que tu as pas de chance. Dieu m'a dit de ne pas séjourner là-bas. Après ton plan, mais je mets pas qui fout dans haut. Je vais résumer ça comme ça que. Mais ça, vous pouvez vraiment. Pour qu'on aille vite. Pour que vraiment. Mais ça c'est terminé par la justice. Et bannir justice venir. Bon, en ta parent, il me restait 3 mois pour aller à la retraite. Les tapants, les tritons pour tomber moi, ils pourraient mettre. Quand ils ont comploté contre moi, et si au John Yanemouni, ils voulaient que je sois emprisonné. Et que vraiment je sois emprisonné. J'ai écrasé 4 enfants avec mon véhicule de commandement. Mais par les voix, mais pour mais l'ordre de vie est né. Mais Dieu étant Dieu, et c'est moi qui m'auta. Aucun de ses enfants. N'a succombé. Et via des quêmes couleurs de mes hauts. Et le Seigneur m'a montré ça. Et tous ont été récupérés. Et sont vivants et sauf. Et on est à vous. Amen. Si j'étais là le samedi, j'allais même confirmer tout
ce que le docteur disait. Pour le dernier, vous me voyez être prié. Ça a été un coup. Ça a été un coup que mon petit frère a préparé. Mais le Seigneur me parlait. Mais je n'ai pas pu comprendre. Donc, tu vas vous dire que suivez les enseignements du docteur Silas. Il a fait un résumé qui m'a donné ce qui a été passé. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur pour la vie de papa, pour cette petite consultation. Le Seigneur veut vraiment des témoignages. Le Seigneur fait beaucoup de choses, hein, des choses importantes, plus que vision, plus que rêve, plus que songe. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Je suis la sœur Elisabeth de Jésus. Grande sœur Elisabeth de Jésus. Nous sommes métiers dans mon tréguawa. Et où y'en avait à mes nous t'aider. Nous sommes métiers dans mon tréguawa. Et où y'en avait à mes nous t'aider. Amen. Je voulais dire merci au Seigneur pour ce cinquième jour de jeûne et prière. Amen. Je suis né aveugle. Je ne sais pas l'opération que je vois. J'ai tant circulé pour qu'on puisse m'aider, mais quand on prie, ça marche. Après tout, ça recommence. Je ne suis pas contente quand je porte des verres. J'ai cherché des solutions fatiguées. Quand j'étais ici, la seule question que je posais au Seigneur, pourquoi je suis à tout moment malade et j'ai que tous les problèmes. Mais le Seigneur m'a répondu. J'enlevais les verres, j'effaçais, je remettais parce que c'était flou, je ne voyais pas. Mais le Seigneur a conduit son serviteur, le docteur Silas, vers moi. Et il me demande, tes yeux ont quoi? Je l'ai répondu. Comme vous le voyez, il a prié et je vois clairement. C'est pourquoi j'ai fait ça. Alléluia! Je bénis le nom de l'Esprit. Et à ta mère, maman, c'est depuis ma naissance. Depuis sa naissance. Et tu as commencé à porter vers. En classe sixième. Et si collège de Robantomé. À l'âge de 9 ans. Alléluia. C'est plus la peine de demander quel âge elle a maintenant. C'est bon déjà. Que le Seigneur soit glorifié. Le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Depuis 9 ans.
et puis à chaque. Oui. Shalom. Shalom, shalom. La sœur Ruth d'Adéti Copé. La sœur Ruth de la cellule d'Adéti Copé. Ce n'est pas Adéti Copé seulement, de la cellule d'Adéti Copé. Il faut que tu sois prise. Voilà, la sœur Ruth de la cellule d'Adéti Adétiville. Amen. Alléluia. Je voudrais remercier le Seigneur pour la vie du docteur Silas et du serviteur Jacques et pour l'enseignement que nous avons reçu tout au long de cette semaine depuis le mercredi. Mais Dieu va te appeler à péter sur le docteur Silas pour que nos vies Jacques Bagueta. Appelez nous pour faire des salles de mieux en le maintenant. Et particulièrement hier, j'avais des préjugés. J'avais certains prières concernant certains hommes de Dieu. Mais, à propos des choses, des paroles qui sont sorties de leur bouche. Mais hier, au cours de l'enseignement, par les explications du docteur Silas, le Seigneur m'a délivré de ses préjugés. Quand j'étais même sur le banc, Dieu me révélait des choses. Même quand je devais composer, Dieu me révélait le sujet. Même jusqu'à l'université, il me révélait toujours le sujet. Et si mes bagnes de vie, alors il ne me laisse quoi? Mao de Nano Fiana. Il me révélait aussi des choses qui se passent, qui se produisent, qui se réalisent. Mais il m'a donné, le Seigneur m'a plongé dans un sommeil. Ma vie de prière rentrait dans un sommeil profond. Mais ce matin, je rends grâce à Dieu. Mais dès après l'appétant, parce qu'il m'a réveillé. Elle avait un fond. Et je demeure en éveil. Hier maintenant, que la gloire soit rendue. Je dis quoi que manger les cartes. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour la vie de la sœur. Appétant. Oui. Pas de temps. Ah, bien aimé d'Adéti Copé, vraiment. Bien aimé d'Adéti Copé. Il y a un feu qui les a saisis. Hein. Et tu as les pieds. Alléluia. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Moi, c'est la sœur Marie. Oui, on a bien envie, Marie. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée. Il a appétoré, amen, bébé, il n'est pas en amour. Quand on priait, et si, il n'y a pas d'homme là. Arrivé à un moment, et il y a demain. Quand le docteur Silas a dit qu'il y a certains que le Seigneur va transporter leur esprit. Et le docteur Silas pleure, amen, on les appétons là, de haut et pas bonjour. J'ai senti, c'est comme quelque chose est sorti en moi. Et je suis tombée. Quand je suis tombée, je me suis retrouvée sur des escaliers avec deux anges. Mais pas de vidéo qui va clé dans la veille. Un me tenait à gauche et l'autre me tenait à droite. Et il me disait qu'on va aller dans la maison de ton père. On va te révéler les choses que vous ne connaissez pas. Et on montait. Arrivé quelque part, on a vu quelqu'un qui est assis. La personne, c'était un vieillard. Il a porté une robe blanche, les cheveux et la barbe, tout était blanc. Et il a commencé par nous parler. Elle nous prône. Il m'a dit elle que c'est cette génération qu'il veut faire de nous, une génération qu'il adore en esprit et en vérité. Il dit la jambe à voir, mais ne souvenez les n'y pas plus pour commercer. Que cette génération l'ont rejeté. Mais il dit tu es pumbé. Comme il a sollicité sur le réveil. Pour rassembler les vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Et je leur ai demandé. Et l'état de l'église. Et il m'a dit de regarder.
Il m'a montré, c'est comme un tissu blanc. Et il y avait des taches noires, noires, noires sur le tissu. Et il m'a dit que c'est le temps de son église. Et il y a certains encore qui ont le cœur noir. Que d'appeler la repentance à son peuple. Be manan mag blona be duko be no tro lo be jom. De se repentir et de mettre de l'ordre dans leur vie. Be no tro lo be jom et no tro do do kule wa be jom. Et puis il m'a montré plusieurs vases. Ye efiam ego sobori. Des vases d'argile et des vases d'or. Et anyi ba be go pa kule si ka blu. Et les vases d'argile étaient tellement nombreux. Et ko blu o sobale be. Il m'a dit. Et blona me. Que nous ne voulons pas l'adorer en esprit. Baby, me dit la soie, les que nous ne voulons pas qu'il fasse de nous des vases d'honneur. Baby, me dit, ya, chomi, awo, si que mes ceux qui se sont concentrés. Ceux qui se sont disposés en sa présence. Que c'est ce vase d'or que je suis en train de faire. Et après tout, j'ai vu, on m'a montré des anges. Oh, fiam, maotolao. Des milliers d'anges. Maotolao. Je n'ai jamais vu même les instruments qu'ils tenaient sur la terre. Je n'ai jamais vu ça. N'y a même pas. Et lui, ne olé, alors. Et vraiment, la mélodie était tellement extrême que j'étais rempli de la joie et j'ai commencé par adorer avec eux. Et il y avait certains anges qui étaient à genoux devant le vieillard. Ceux qui étaient derrière et d'autres étaient à gauche et à droite. Et j'ai commencé par l'exalter, l'adorer. Donc, ils ont commencé par l'acclamer. C'est ce que j'ai vu. Et nous m'aimons. Alléluia, alléluia, le Dieu de révélation. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous avez vu, c'est ça le miracle. Eh, Agnès, vous avez compris. Il y a de la prédication, le Seigneur m'a dit qu'elle va vivre ça. Vous n'êtes pas là. En même temps, quand le prêcheur dit ça. Je l'ai dit qu'elle va commettre deux choses. Elle sort les nouveaux papiers. Les stars, dans l'adoration, le Saint-Esprit va. Ça dit, elle sera affaiblie dans la chair. Après ton aspect, il y a un accord avec papa. Ça s'est accompli aujourd'hui. Il y a un peu de temps. Ça s'appelle les signes. Et il y a des signes. Ça s'appelle les expériences spirituelles. Et il y a un peu la crainte de Dieu, non? Et elle a donné un peu de temps. Je suis allé donner le message pas ça, non? Et moi, je suis allé donner le message prophétique. Et elle a donné une expérience spirituelle et glorieuse. Et elle a Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Shalom, shalom. C'est la sœur Anne. Sœur Anne, sœur bénie. Amen. Je ne sais pas où commencer. Il m'a dit que je n'ai pas ça va passer, c'était le vendredi. Fila quand le docteur Silas donnait les enseignements, il a dit qu'il doit voyager. Et si le docteur Silas le nous fait, mais qu'il est là? Il doit voyager en esprit. Mais qu'il est là? J'ai soulevé la main. Yeah, mais toi, qui veut voir les choses spirituellement? Mais quand je suis allé à la maison, non, c'était le jeudi. Yaura, oui, c'était le jeudi. Yaura, quand je suis arrivé à la maison, et si me va dans, après, dans mon songe, les on dirait que j'étais dans cette salle la nuit là. Et on avait mêlé et royaume. On priait. Et en même temps, le Saint-Esprit a saisi notre sœur. Je me suis approchée d'elle et je la demandais. Moi, elle dit non. Elle nous parle, nous tous, de se repentir. Et quand on est venu le vendredi, le Saint-Esprit est après, je suis allée dire ça à un frère, le frère Jean, que c'est
c'est comme ça, j'ai eu cette révélation. Donc, le vendredi, quand on est arrivé à l'église, c'est ce qui s'est passé exactement. Quand le Saint-Esprit l'a saisi, elle parlait de l'amour. En même temps, le frère Jean s'est retourné et il m'a regardé. Oui, c'est le Saint-Esprit qui agit. Le Saint-Esprit agit. Il faut disposer ton cœur pour le recevoir. Hier encore, j'ai eu un songe. Avant de me coucher, je disais, Seigneur, je veux te voir. Comment les autres font pour te voir là? Allez, non, mais pourtant, on a eu quoi? Je vais exprimer ta gloire. Le sommeil m'a pris. Dans le rêve, c'est comme si quelqu'un venu me taper, dit, lève-toi. Et je me suis levé. Mais je me suis levé, je ne me voyais pas dans la chambre, je me voyais au dehors. Et si me pas de je voyais un homme qui me dit, regarde en haut. Et quand j'ai regardé en haut, j'ai vu une grande lumière. Je ne peux même pas soulever ma tête pour le regarder. La personne me demandait, tu veux me voir? J'ai dit oui, Seigneur veut te voir. Et il me dit, répands-toi d'abord. Et quand la parole voulait partir, la personne a écrit quelque chose sur la terre. Mais je n'arrivais pas à lire. Je suis allé appeler Jean Gracien. J'ai dit de venir m'aider, c'est comme si c'est au niveau de la plage et ils ont écrit ça avec le sable. Et je n'arrivais pas à lire. Et, mais j'ai retenu, ils ont écrit Corinthiens et Thessaloniciens, mais j'ai pas vu les versets. Donc, comme j'appelle Jean-Gracien, il est venu, il a vu les versets et il m'a expliqué. J'ai béni le nom de notre Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux me donner l'explication là? Bon, il m'a expliqué, mais j'ai pas. Donc tu retiens l'explication là, c'est ta feuille de route et tu dois travailler. Dans le sommeil, il m'a expliqué, mais à mon réveil, j'ai tout oublié. Alléluia! Tu vas aller sur tes genoux, demander au Seigneur que l'explication revienne. On a bien fait tomber, comme elle est trop content. Amen. Amen. Donc j'appelle tout le monde à la repentance. Mais le Seigneur Jésus nous aime beaucoup. Le Seigneur nous aime. Mais il veut que nous lui donnons notre cœur, sincèrement. Et Dieu, oui, dans peu de temps, nous allons voyager très, très, très loin. Amen, acclamons le Seigneur Jésus. Le Seigneur a fait de grandes choses. Le Seigneur te dit, viens témoigner de moi. Et tu es encore assis. Venez rester là, en attente. Voilà, c'est lui, voilà, ça va. Alléluia. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel soit bleu, soit bleu, soit sanctifié, soit exalté. Il a fait ton école à corps, mais quand il a deux, mais quand il y a beaucoup là, non, mais quand il y a quatre extraordinaires qui m'accordent ce bon matin. Des amis, mais maniaque, bloiné, mais on a des canyons. Parce que au cours du programme, moi, je n'attendais même pas pour assurer depuis le commencement jusqu'à la fin. Elle avait de l'eau à gagner, oui, mais maniaque, pas gommé, mais tout gommé, déjà. Ah, ou non. J'ai toujours des blocages, mais il m'a fait cette grâce extraordinaire que moi je n'attendais pas. Elle avait le dodo et entendu, mais moi je n'ai pas dit, c'était le frère Jacques qui nous enseignait sur l'intercession. Et nous avons dit, Jacques, viens nous m'y couler.
Et j'étais vraiment surpris parce que tout ce qu'il faisait sortir là. Et ça me touchait, ça me frappait à tout moment quoi. C'est et les cassés, tiens les wotons, les tiens les bébés. C'est comme si on est en train de m'exposer. Et ouais, mais on les dénoue les tiens. Et vraiment, j'ai fait de grandes choses. Et, moi, on et ce matin même, je peux dire, ça fait un moment que j'avais perdu la vie de prière, surtout. En parlant de nouvelle encre, c'était quelque chose que j'avais perdu quand on m'a. Mathieu a pleuré, mais vous, Bédola Bagbe, Bagbe, mais vous. Parce que quand je commençais par parler à un moment-là, c'est comme si ma langue est paralysée. Et même Dieu, comme elle était là, et il y a des gens qui ont parce que je peux faire même plus de 1 heure, 2 heures du temps par là, dans ce match, chantant la nouvelle. Et je vois au fur et à mesure que je suis en train de parler, ça m'amène dans, ça me donne de nouvelles langues qui venaient de plus en plus. Mais est-ce que maintenant, Adé, mais à un moment, ça s'est stoppé. Et il y a la faiblesse dedans. Ma il y a la paresse dedans. À couvrir, pas clé, pourquoi tu n'as pas clé. J'ai vu que j'étais vraiment attaqué de ce titre. Et ce matin, quand je suis venu, quand j'ai commencé par parler, j'ai commencé à monter du matin que ça durait même, je n'ai plus cette grâce. J'ai vu qu'il a restauré tout en moi. Amen. Et nous s'y allons bien pour aller plus bas les meilleurs. Il a donné la consolation en arme. Et là, tu te dis, tu n'y es pas. Et je bénis le nom de l'Éternel. Et y a ta meilleure maman, mon père. Et je sais que la main d'or, il a commencé. Il va le faire plus que ça. Mais Dieu va aller, ne va Dieu comme là, ouais, à où, Néné. Je veux me remercier à Dieu. C'était à peine. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il est écrit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché. Et le péché de mon père disait, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est la seule de la cellule d'Adéticopé. Oui, amen. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Le Dieu de toute chair, de toute âme, de tout esprit. Alléluia. Pour tout ce qu'il a fait, nous sommes spécialement pour moi. Je suis à Ditikope, il était à Ditikope, il venu ici, j'ai pas de moyens de déplacement. Mais il m'a fait grâce d'assister. À cette semaine spirituelle. Et ma pauvre gomme, elle est posée à la gloire. Et je suis venu aussi pour la vie de l'homme. C'est un serviteur qu'il a utilisé. Mais il a des vous venez m'ouvrir encore les yeux. Bon là va à vous venez faire tomber encore les écailles de mes yeux. Mais voilà, nous sommes dans le monde de la vraiment, au début, j'avais dit que je ne comprenais même pas les enseignements du docteur Silas. Les quoi, mais je dis, docteur Silas, ben je reviens et je dis que maintenant j'ai tout compris. Amen. Amen. L'esprit de compréhension t'a saisi. Le Seigneur a ouvert mon esprit pour que je comprenne les enseignements. Amen. C'est une grâce. Parce qu'au bout de ces enseignements, c'est comme on a dit que ça ne finit pas, on a continué comme ça. Et je me demandais, donc c'est ce qu'on disait avant et puis. Mais qui ne comprend pas? Je ne sais pas comment exprimer. C'était. Il y a même les biens de quoi il est très bien. Et hier, quand le docteur Silas, le Seigneur lui disait qu'il va faire des choses avec nous. Et aujourd'hui, le dernier jour, on était en prière. Quand le Seigneur a commencé, et ça peut comme quelque chose a quitté en moi et je suis tombée. Mais qu'est-ce que la femme me disait? La chair me dominait. Le Seigneur m'a dit, je veux faire des choses avec toi. Mais tu ne te laisses pas à moi. Tu laisses la chair te dominer. Prépare-toi.
Je bénis le nom du Seigneur. Mais il a appelé ton nom. Amen, acclamons le Seigneur. Il est petit dans la parole, alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Amen. Que l'esprit de compréhension continue à agir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Témoignage. Dans ces lignes. Le Seigneur a fait de grandes choses là. Après toi, on nous gagne. Pas seulement il t'a montré, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a vraiment. Toyoyo, t'es gaoli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Mon nom c'est Maman Rachel. Oui, on a bien mis Maman Rachel. Amen. Vraiment, l'ignorance. Le Seigneur a envoyé son serviteur pour nous enlever de là. Moi, j'étais carrément dans l'ignorance. Alors que le Seigneur me montrait des choses, mais je ne me rendais vraiment pas compte. Mais selon l'enseignement, mon esprit est complètement ouvert, tellement que j'ai compris beaucoup de choses selon l'enseignement. Les nouveaux viennent, mais après toi de nous guérir comme maintenant, mais c'est nous guérir comme. Je veux dire que avant, le Seigneur peut prendre l'image d'un frère pour venir me parler clairement. Avec un habillement vraiment extraordinaire que je n'ai jamais vu même. Et un milliardaire même ne s'habille pas comme ça. Et souvent si je tombe dans un péché ou bien quelque chose comme ça, je peux voir le visage d'un frère. Souvent je vois le visage d'un frère Luc. Avec sa forme, mais habillement autrement, très extraordinaire. Eh, mais que nous vendons, mais eh, qui a mis bon à nos vieux, à l'eau, nos vieux, eh, Eva, qu'on a voit, eh, ben, toi, eh, n'y en a, et lui, il est roi, si elle est bébé. Souvent, je veux voir, comment on dit ça, apôtre Joseph, pour venir me parler clairement, mais bien aimé, je ne comprenais rien. Dans le songe, comme ça, mais seulement que son apparence change, mais le visage, même chose. Souvent, je peux voir, comment on dit ça, prophète Étienne, pour venir me gronder dans le songe, à une situation clairement, mais je ne comprenais pas. Et il y a des gens qui ont prophète Étienne là-bas, mais dans l'enseignement, vraiment, j'ai compris beaucoup de choses. Mais je comprends que le Seigneur Jésus-Christ va s'apparaître maintenant des hommes pour me parler. Et je vais comprendre que vraiment, c'est mon Créateur qui me parle. Et vraiment, il peut faire je veux le prendre. Alléluia. 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 Si le Seigneur fait grâce et tu vois des hommes de Dieu dans tes songes, en réalité, ce pas des hommes de Dieu physiquement, ce sont des messagers de Dieu que le Seigneur envoie vers toi. C'est tellement que tu t'es détourné un peu sur son chemin. Ne soyez pas réjouis que le Seigneur nous révèle des choses, mais retenez ce que le Seigneur nous dit et appliquez. Qu'est-ce que le Seigneur te reproche? C'est ça qui est très important, le message. Alléluia. Et que tu dois vraiment saisir et travailler avec. Pour ta restauration. Alléluia. Ne soyons pas négligents. Amen.
Le Seigneur fait grâce et révèle des choses aux hommes. Pour leur faire venir sur le chemin. Parce qu'ils sont détournés du chemin. Il faut qu'ils reviennent sur le chemin. Et beaucoup sont ignorants, ils négligent les choses. Ils voient comme ça, c'est de simples visions ou songes. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut envoyer quelqu'un que tu connais ou tu ne connais pas. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le message que celui que le Seigneur envoie vers toi. Le message qui détient, le message qui te donne, le message qu'il porte, c'est ça qui est très important. C'est ça qui compte. Et le vivier. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour la vie de notre sœur, Maman Rachel. Maman Rachel va. Amen. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. C'est le frère Emmanuel. Ma vie d'Emmanuel. Mon témoignage correspond à la témoignage de la sœur Rebecca. Franchement, avant, je ne comprends pas l'enseignement du docteur Silas. Mais quand les prophètes étaient venus, quand ils enseignaient, je comprenais tout. Et si les prophètes ouvrent, on les nous fait en première semaine qu'ils ont fait avec les ouvriers, je n'ai rien compris. Deuxième semaine avec l'église, je n'ai rien compris. Donc cette semaine-là, ce qu'il a enseignement qu'il a fait, j'ai tout compris. Il a fait un rattrapage. Et l'enseignement, et l'église, il a quoi? Il prenait plaisir à travers le Seigneur. Ça devient tout. Oui. Et l'autre fois, c'était jeudi. Il avait dit que nous avons le Seigneur ouvrir nos yeux, mais il ne faut pas que nous demandions encore le Seigneur d'ouvrir les yeux. Il faut que nous demandions au Seigneur que nous voyons. Et quand j'étais derrière là-bas, par la grâce. Le Seigneur ouvre mes yeux, j'ai vu quelque chose. Et le vendredi matin, exactement ce que j'ai vu, j'ai revu la chose, la même chose. Le Seigneur avait ouvert mes yeux, mais je ne voyais pas. Et je demandais, Seigneur, ouvre mes yeux. À travers l'enseignement, j'ai vraiment compris que. C'est clair comme ça. Alléluia. Amen. Et on nous a envoyé pour aller dans un funérail à Montblanc. Oh, ton mien est chant de te belle à Montblanc. Le vendredi, avant de partir, quelque chose me dit que vous allez faire cela en route. D'annuler le voyage. Et je me suis dit, comment je vais dire au serviteur maintenant que je veux parler et je vais encore désigner une autre personne. La voix qui vient, c'est la voix du diable, il faut détourner ça. Et j'ai dit non, c'est le Seigneur qui nous a envoyé. Donc lui, il ne va nous arriver en cours de chemin. Et j'ai détruit la voix là. Par la grâce, nous étions, on a été là-bas et on est revenu dans la paix. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous disons merci pour la vie de notre frère Diacre Emmanuel. Voilà, peuple de Dieu, ce que nous faisons d'habitude. La prière que nous devons faire, nous ne le faisons pas.
on fait autre prière. Et nous sommes là, on dit que le Seigneur n'agit pas. Le Seigneur ne me répond pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur a tout mis en nous. Je rappelle que le Seigneur, moi aussi j'ai prié avant. Le Seigneur dit, il m'a dit que tu as tout, j'ai mis tout en toi. Il faut seulement travailler pour arriver à ce niveau, le niveau auquel les apôtres étaient. Parce que je priais, je disais, Seigneur, j'ai médité Acte des Apôtres. Et je disais, Seigneur, pourquoi pas, tu n'as pas changé. Et maintenant, ce que les apôtres avaient fait dans le passé, malgré qu'il ait dit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres, pourquoi on n'arrive pas à ce niveau? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Accorde-moi ce don. Accorde-moi l'onction de Philippe. Accorde-moi l'onction de Pierre. Et Seigneur dit, tu as tout. Mais il faut seulement que tu travailles pour arriver atteindre à cette étape-là. Alléluia. Amen. Donc voilà, je suis en train de perdre le temps comme ça, de dire Seigneur, donne-moi, donne-moi. Oh, c'est déjà là. Seigneur, donne-moi la vision. Oh, l'onction de vision, l'onction est déjà là. Le don de vision est là. Et lieu de changer la prière, elle dit Seigneur, active. Seigneur, maintenant je veux voir. Le don est déjà là. J'ai laissé cette prière là. On peut faire autre chose. Alléluia. Ce sont des temps perdus. Amen. 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 Parce que j'ai compris aussi l'enseignement. Ah, moi aussi je suis en train de faire un témoignage comme ça. J'ai profité. Mais comment nous pas? Parce que avant, le Seigneur m'a montré des anges. J'ai vu quatre anges, même taille, je ne voyais pas leur visage quand même. Des tailles élancées, avec des ailes, ils marchent en fil indien. L'un après l'autre. Même démarche, même pas. Quand on faisait, on fait défiler. On a défilé. Alléluia. J'ai une fois vu défiler des Chinois. Mais quand pas Chinois avait défilé. C'est rapide. Et sont. Alléluia. C'est comme ça les anges marchaient. Alléluia. Et le Seigneur après m'a révélé dans le ciel. Les médecins appellent deux fois successives. Une fois avec couronne sur sa tête, l'autre sans couronne. Et j'ai compris que j'ai ce don-là. Maintenant, il faut que je développe ce don-là. Alléluia. Il faut que je développe ce don-là. Encore autre don que. Si je dis que cela, c'est comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Si je dis que ça là, ça va arriver, ça va arriver. C'est pourquoi au service, en fait, les gens, parfois, si je parle, dis que, ah, toi, là, ta langue là, il faut cacher ça. Et a donné pour nous, parce que c'est arrivé un jour, elle avait quelqu'un de lié. Une collègue. Alléluia. Et elle a trouvé un mari. Et on est en train de causer.
Nous approchons de la fin d'année comme ça. Et je ne sais pas ce qui s'était passé. Quand elle nous a raconté que voilà, elle m'a raconté personnellement sa vie. Et je lui ai dit que l'année prochaine, tu auras un enfant. Elle m'a insulté. Que l'homme est dans sa famille. Elle montrait aussi chez sa mère. Pour le moment, elle n'est pas prête. Elle m'a insulté que ma bouche là, peuple de Dieu, comme c'est de la blague, un jour, on était venu au service. Ce jour-là, je ne sais pas ce que j'avais fait pour elle. Elle ne me fait que insulter. Elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien aujourd'hui là, tu n'étais pas bien réveillé ou quoi? Mais nous qu'est-ce que nous faisons? Elle dégage là-bas. Je vais te le faire. Et c'est après qu'elle m'a fait comprendre que ce que tu avais dit sur moi là, c'est arrivé. Non, tu es là. Pardon. Moi si je ne sais pas, j'ai parlé seulement. Et ce jour-là, toute la société sait que moi, ma langue là, c'est pas bon. Alléluia. Parce que vraiment, si c'est arrivé dans ma tête comme ça, si je fais sortir ça, ça va. Et j'ai ce don-là. Au lieu de développer, je fais autre prière. Seigneur, donne-moi, oh, c'est déjà là. Père de Dieu, il faut qu'on sorte dans l'ignorance. C'est pourquoi on remercie le Seigneur pour l'enseignement qu'il a donné à son berger pour nous instruire. Et nous avons compris. Et le Seigneur nous a arraché de l'ignorance. Voilà son nom. Alléluia. Témoignage. La série. Rapidement. Shalom, shalom. Shalom, shalom. J'étais là, je voulais pas me lever. Je dis non. Le Seigneur me dit, tu dois être ça. Il y en a qui disent là, il a dit, fais tomber au doula. Le Seigneur va frapper beaucoup de personnes qui sont ici, ne veulent pas témoigner là. Le Seigneur m'a fait de grandes choses cette nuit-là. Parce que c'était ce matin-là. Pendant la nuit, il m'a réveillé, mais c'était fatigué. Et dans une heure, il m'a réveillé. Les âmes, nous dit qu'on a mis Vado Zagareka et font. Et puis j'ai commencé à prier, je priais jusqu'à 3-4 mois comme ça. Et je voulais me reposer un peu, puis mais, je m'ouvre mes yeux. Je me retrouve à mon boulot. J'étais dans mon poste et puis mon patron était assis au portail. Mais les nyani n'ont pas appétonné les aguanes. Et il dormait. Et là, longtemps. Un moment, je vois l'évangéliste. Et le frère Ezra, il est rentré. Et il est venu m'appeler. Quand je suis sorti, je voyais certains frères qui l'ont accompagné avec certains sœurs. Mais quand on a vu mucho adieu, quoi que nous vivions, on a eu pour les deux. Et quand ils sont venus, et si on va, je suis allé les voir, puis tout le monde m'embrassait comme ça. Il m'accueillait, c'était vraiment extraordinaire. Et si mais y'a, mais ça mais les femmes, y'a et non les bébés. Tout le monde m'accueillait comme ça. Mais ça mais les hommes. Après, je me suis, le Seigneur m'a transporté dans mon village. Et après toi, premier, quoi plus? Et j'étais tellement énervé, je dis aujourd'hui là. Y'a et du coup, même et bien. Je récupère ma grâce. Ma voyant même. Tout ce que le Seigneur m'a donné là. Nous si allons après toi là. Peuple de Dieu, la manière dont les filles s'existaient, j'étais comme ça, puis je parlais en langue avec cette force-là. Mais et tout le monde, tout le village est sorti, hésité, tout le monde est sorti, venu m'entourer comme ça. Yeah, mais ça, mais Togo, le copain, mais on va pour là. Et je voyais les enfants, ils étaient des charlatans, ils sont bizarres, bizarres comme ça. Mais quoi, mais non, mais on va dire, mais on va dire.
voulait m'attaquer en fait. Et quand quelqu'un vient, je laisse le Seigneur, donc je donne en langue comme ça, et puis je vois un feu qui lui fait disparaître. Je le faisais comme ça, les autres ont commencé à mourir, ils sont partis. Et je disais, aujourd'hui, là, je prends ma grâce. Ma petite sœur, elle était avec moi, elle avait peur. Elle voulait s'enfuir aussi. Je dis, reste ici. Aujourd'hui, on ramasse tout et puis on part. Et tu as dit, mais si vous avez une fille, bien sûr, de ça, des bien sûr. Je nous entourais et puis j'étais là jusqu'à quand je me suis réveillée ici. Est-ce que ma femme va fier? Je chantais, mais avant de me réveiller, je chantais ce qu'on dit. Je dis, allez, meigné. A fait ma femme, elle est djihadi. Mêlé assis au mé. Je suis Jésus, l'argile et Jésus la terre. Je suis homme, je ne sais pas quoi faire. Fais de moi ce que tu veux. Je chantais comme ça quand je suis réveillé ici. Mais non, a dit à Jima, puis me font. J'ai compris vraiment que le Seigneur m'a fait sortir dans une prison à l'œuvre qui te réveille. Donc, ma grâce. Amen. Amen. Alléluia. Avec le Seigneur, il y a là-haut. Encore. Trois témoignages, nous allons clôturer. Mais à ce niveau, ton bien quoi? Shalom, shalom. Shalom. Moi, c'est le frère Charles. Oui, on a mis nos Charles. Bon, j'aimerais la grâce à Dieu pour vraiment la vision que j'ai eue pendant la prière d'aujourd'hui. Mais Dieu l'a dit à peine un peu tard, tu as gagné mes balles. Pendant la prière, au moment où le docteur avait dit que nous serons saisis et bon, nous serons transportés en esprit. Et si bien que le docteur Globé, on l'a commis avec Bobo. Jamais été saisi, j'ai commencé par parler en langue. Et après, le parler en langue s'est arrêté, je me suis vu dehors de l'enceinte de l'église. Et bon, l'assemblée était de couleur blanche. Il y avait la couleur blanche, mais dans la couleur blanche, il y avait tellement blanc comme ça. Et sous l'assemblée, il y avait des feux qui s'embrasaient. Ça s'embrasait pour consumer, pour brûler toute l'assemblée. Mais quoi, avec pour Popéa, elle est revoir rien, même quoi. Bon, mais quoi, elle n'y pas étourée les taux, mais il y a binou. Et après, chose, la vision, ça s'est arrêté. Et du coup, j'ai revu toute l'assemblée, le devant de l'église était devenu tout blanc. Les défis, mais trop pauvres, et les voix est trop zoulées. Et du coup, pendant la prière, j'ai vu une nuit. La nuit était tellement blanche et c'était vraiment épais. Ça remplit vraiment l'assemblée. Et dans la nuit, il y avait des flammes de feu qui étaient posées sur la tête de certains. Certains, mais pas tout le peuple. Et je me forçais à tout faire pour que je puisse voir ça sur la tête de tout le monde. Mais je n'arrivais pas. Et j'avais vu ça sur certaines têtes seulement. C'était posé. La flamme brûlait sur certaines têtes, mais pas sur toute l'assemblée. Mais tout le monde dit, mais va pauvre, au témoignage de la sœur qui a parlé des vases d'or et des vases en terre, j'ai compris que vraiment s'il n'y avait pas la flamme de feu sur certaines têtes, c'est que certains ne s'étaient pas laissés saisir par l'esprit du Seigneur. Vraiment, j'ai été touché par lorsque l'esprit avait saisi cette soeur, le Seigneur, grand qu'il est, puissant qu'il est, en train de pleurer pour que nous puissions nous repentir. Vraiment, ça m'a vraiment fait frémir.
a vivoné que le menier et si elle n'en vient à péto les non via J'aimerais vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout au cours de cette semaine. Je le remercie. Et à ta Akwena, après ton nous siens, nous n'avons pas de conseillers. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour cette grâce merveilleuse. Et Akwena, après ton en extase, le Seigneur lui a montré des visions. Après ton débé, papa, tu es fier. Et de tes affaires. Le témoignage de Dieu est. Shalom. Shalom, shalom. C'est un frère Jacques. Amen. Durant l'enseignement de cette semaine, nous avec toi bien. Ça m'a beaucoup édifié. Et c'est comme si c'est mon enseignement. Et nous et je remercie beaucoup le Seigneur pour la vie du serviteur. Parce que, bon, j'ai un côté, je ne sais pas comment expliquer. Quand je suis venu ici, je dis, Jean Seigneur, que je suis arrivé dans sa maison. Et si me va bien, me prendre après toi, me va, et va peu même. Que je vais le craindre. Mais qu'il a point. Mais parfois, il y a de mon boulot. Les ton père. Parfois, dans les rapports, tu dois mentir. Et il y a de mon nieto quoi. Ola ta la paya. Pourquoi on te félicite? Mais ola kafo. Si tu ne mens pas là, ne omet dans la porte. Tu as des problèmes. Tu es obligé de mentir. Et la zéré qui ola ta. On m'a dit comme ça. Nyagbea et la quoi. Et à un moment donné, bon. Et après le baptême, j'avais une sensation de fraîcheur dans mes oreilles. C'est comme une bonne femme, mais bon, je n'arrive pas à discerner. Et à chaque fois, je tombe. Et à tout dernièrement, bon, je suis encore tombé. Et ma voix me disait, il m'a donné un verset, 1 Corinthiens 2, verset 14. Et puis, la fraîcheur a disparu. Et Fafa et tout. Si, je 1 Corinthiens 2, verset 14. Corinthiens 2, verset 14. Corinthiens 2, verset 14. En Corinthiens chapitre 2, verset 14, je lis au nom de Jésus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. À la fin, il recevra une récompense. Et aussi, c'est au niveau des rêves, des songes. Les drames. Souvent, moi, quand j'étais sur le banc, et si mes sous-clumes, en classe d'examen, les examens vont home. Après l'examen, moi j'ai déjà eu mes résultats. Non, et je disais à mes amis que moi j'ai déjà le sien. Et la manière dont me présente les résultats dans le son, comment c'est proclamé là. Le jour de la proclamation, là, c'est le même événement qui se produit. Et il y a les événements aussi qui arrivent dans ma vie. Souvent, c'est.
Il y a déjà ça dans le songe. Et les enseignements hier ont confirmé. On confirme vraiment ce pour le songe. Maintenant, par rapport à ce que j'avais dit, la fraîcheur qui était éteinte dans mes oreilles. Et le vendredi ou bien le jeudi, quand le docteur, après l'enseignement, dans la prière, il disait que ceux qui ont les. Comment Dieu nous a donné la vision, bien, ceux qui ont les yeux spirituels n'ont qu'à voir, et ceux qui ont les oreilles spirituelles n'ont qu'à entendre. Mais il y a un docteur qui dit docteur, il y a un docteur qui dit Et en même temps, quand il a donné la requête en même temps, la fraîcheur a pu revenir. Et il a fait sortir une grande chaleur est sortie de mon oreille. Papa, trop bientôt, mais et du grand de tous les nettoyés. Et la fraîche est encore revenue. Yé, papa, quoi, trop. Et aujourd'hui aussi, la fraîcheur, bon, ça c'est encore augmenté, c'est intense. Papa, au moment de la prière. Quoi, trop, et si mille et deux, et quoi, yé, c'est mon dit. Et je remercie le nom du Seigneur. Et à ta mira, fais ton écran. Tu acclames le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux dans toutes choses. Je pense que c'est le dernier. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Bien-aimé, la repentance que le Seigneur demande est une chose sérieuse. Nous l'entendons, tu mets trop un appétit, les biens, et nous veut bien. La repentance que le Seigneur nous demande est une chose sérieuse. La repentance que le Seigneur nous demande est une chose sérieuse. Je ne sais pas la vie que tu mènes chez toi. Le Seigneur m'envoie te dire de faire très attention aux réseaux sociaux. Il est vrai que le groupe publie des messages sur les enseignements et sur le culte. Bien aimé, quand tu vas là-bas pour regarder seulement ça par un lien, si tu finis de suivre ça, sors de là. Sors de là. J'ai été victime. Alléluia. Plusieurs fois que je me suis tenu à suivre certains enseignements que j'avais ratés quand j'étais encore à la pharmacie là-bas. Quand je commence à regarder, tu vas voir eux-mêmes, c'est comme ils te proposent des choses qui vont te dérouter automatiquement. L'ennemi est rusé. Pour toi. Et ça arrivait toujours. Si vraiment ma femme pouvait témoigner, quelquefois elle dit, c'est quoi toi tu fais avec ton téléphone là? Je veux remémorer ce qu'on a vu, mais je me vois en train de faire autre chose. Et avant-hier, je me suis réveillé le matin, j'ai dit au Seigneur, tu veux que j'apprenne ta parole. Pourquoi est-ce que quand je vais là-bas, je suis dérouté? Délivre-moi de tout ça. C'est cette petite prière que j'ai faite. Courte prière. C'est fini. C'est parti. Bien aimé, nos attaques viennent de partout. Si tu as attaqué par les mauvaises pensées et tu as résisté, il va passer par les réseaux sociaux pour t'attraper là-bas. Si tu pièges là-bas, tu as fêté, il va passer par la petite fille de la maison pour t'énerver.
Le Seigneur Jésus nous interpelle à la repentance. Et le vendredi passé, j'ai eu un message. Je devais normalement partir à la maison pour méditer la parole de Dieu. Mais j'ai été dérouté en circulation. Et dans ma déroute, le Seigneur m'a envoyé ce message. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. J'ai réfléchi, j'ai dit, c'est quel verset encore ça? Je gardais ça. Quand je suis rentré à la maison, j'ai ouvert ma Bible. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le Seigneur a dit chercher premièrement les choses d'en haut. Mettons de l'ordre dans notre vie. Vous voyez que tous ces témoignages qui se sont succédés là, c'est une suite logique. Si quelqu'un a pu voir ça, vous allez voir que c'est une suite logique. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il te fortifie. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus.